Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne du Community TV. Alors, je vous présente une séance de communication orale et activité. Je vous propose ma nourriture et ma santé. Ma nourriture, ma santé. Alors, le titre est Un bon repas. Objectif de communication, c'est informer et s'informer sur la nourriture et la santé. Alors, Kenza a invité Amine à manger chez elle. C'est bientôt l'heure du repas. Écoutez maintenant le dialogue pour répondre aux questions. Kenza, moi, je voudrais manger des bonbons, au moins 10. Amine, mais tu vas être malade, Kenza, et tu vas avoir mal aux dents. La maman, les enfants, pour grandir et avoir plein de force, il faut manger de tout. Des fruits, des légumes, Amine, et aussi du pain, du riz, de la viande et des poissons. La maman, c'est bien ça. Lavez-vous les mains avant de manger les enfants. Moi, je voudrais manger des bonbons au moins 10. C'est 15 qui part. Moi, je voudrais manger des bonbons. Amine, mais tu vas être malade. Tu représentes Kenza. Elle parle à Kenza. Mais tu vas être malade. Mais tu seras malade, Kenza. Et tu vas avoir mal aux dents. Et tu auras mal aux dents. La maman intervient. Les enfants, pour grandir et avoir plein de force, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger de tout, des fruits et des légumes. Amine, et aussi du pain, du riz, de la viande et du poisson. La maman, c'est bien ça. Lavez-vous les mains avant de manger les enfants. Voici donc le dialogue qu'il faut apprendre par cœur. Alors, chers élèves, regardez bien l'image. Oui. Alors, on pose quelques questions. Hein. Que voyez-vous sur l'image? Que voyez-vous sur l'image? Oui, je vois Kenza et Amine et la maman. Très bien. Alors, d'après vous, où sont-ils? Où sont-ils? Très bien, ils sont dans la maison. C'est la maison de Kenza. Alors Kenza a invité Amine à manger chez elle. C'est bientôt l'heure du repas. Bon, que font-ils? Alors qu'est-ce qu'ils font les enfants? Très bien, ils jouent au domino. En même temps, ils discutent. Alors, d'après vous, de quoi parlent-ils? Il y a des bonbons, des poissons, du poulet, oui. Oui, elle parle de la nourriture. Elle parle de la nourriture. Et aussi la maman parle de la nourriture. C'est très bien. Alors, vous avez bien vu l'image, vous avez bien écouté le dialogue. Je répète encore le dialogue pour ne pas l'oublier. Alors, Kenza, moi, je voudrais manger des bonbons au moins 10. Amine, mais tu vas être malade, Kenza, et tu vas avoir mal aux dents. La maman, les enfants, pour grandir et avoir plein de force, il faut manger de tout, des fruits, des légumes, etc. Amine, et aussi du pain, du riz, de la viande et du poisson. Bon, la maman, c'est bien ça. Lavez-vous les mains avant de manger les enfants. C'est bien ça. Lavez-vous les mains avant de manger les enfants. Je répète encore le dialogue. Moi, je voudrais manger des bonbons, au moins 10. Mais tu vas être malade, Kenza. Et tu vas avoir mal aux dents. Les enfants, pour grandir et avoir plein de force, il faut manger de tout, des fruits, des légumes. Et aussi du pain, du riz, de la viande et du poisson. C'est bien ça. Lavez-vous les mains avant de manger, les enfants. Alors, première question. Que veut manger Kenza? Que veut manger Kenza?
que veut manger Kenza? Qu'en pense Amine? Qu'en pense Amine? Que faut-il manger pour être en bonne santé? Que faut-il manger pour être en bonne santé? Que faut-il faire avant de manger ou de préparer à manger? Que faut-il faire avant de manger ou de préparer à manger? Je répète encore fois la question. Que veut manger Kenza? Qu'en pense Amine? Que veut-il manger pour être en bonne santé? Que faut-il faire avant de manger ou de préparer à manger? Bon, je répète encore fois les questions. Essayez de mémoriser, s'il vous plaît. Hein. Que veut manger Kenza? Allez-y, répondez à cette question d'abord. Hein. Que veut manger Kenza? D'après le dialogue, bien sûr. Que veut manger Kenza? Que veut manger Kenza? Oui. Elle veut manger des bonbons. Elle veut manger des bonbons. Elle veut manger des bonbons. Répétez encore fois. Elle veut manger des bonbons. 10 bonbons, Sirsou. 10 bonbons. Qu'en pense Amine? Qu'en pense Amine? Amine pense que Kenza va être malade. Très bien. Amine pense que Kenza va être malade et avoir mal aux dents. Amine pense que Kenza va être malade et avoir mal aux dents. Que veut-il manger pour être en bonne santé? Que veut-il manger pour être en bonne santé? Que veut-il manger pour être en bonne santé? Pour être en bonne santé, il faut manger de tout. Pour être en bonne santé, il faut manger de tout. C'est-à-dire des fruits, des légumes, de la viande, du riz, du pain, etc. Pour être en bonne santé, il faut manger de tout. Que faut-il faire avant de manger ou de préparer à manger? Que faut-il faire avant de manger ou de préparer à manger? Que faut-il faire avant de manger ou de préparer à manger? Est-ce que vous avez une réponse? Oui, avant de manger et de préparer à manger, il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Alors, vite fait, que veut manger Kenza? Kenza veut manger des bonbons. Qu'en pense Amine? Amine pense que Kenza va avoir mal aux dents et en même temps être malade. Très bien. Que veut-il manger pour être en bonne santé? Pour être en bonne santé, il faut manger de tout. C'est très bien. Surtout des fruits, des légumes. Hein. Que veut-il faire avant de manger et de préparer à manger? Avant de manger ou de préparer à manger, il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Que veut-il faire avant de manger ou de préparer à manger? Il faut se laver les mains. Bon, c'est ça. Alors, résumé, on dit Kenza a invité Amine à manger chez elle. C'est l'heure du repas. Alors, Amine pense que Kenza va avoir mal aux dents. Surtout lorsqu'elle mange beaucoup de bonbons, elle va être malade aussi. La maman conseille, c'est ça ce qu'on appelle donne des informations sur la santé. La maman leur conseille de manger de tout, surtout des fruits, des légumes, un bon repas. Il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas oublier une chose, il faut se laver les mains avant chaque repas.